On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Good Game Empire. Et il y a une nouvelle Ligue des Royaumes, un nouvel événement qui vient d'arriver avec la mise à jour aujourd'hui d'ailleurs. Enfin, la mise à jour était hier, mais l'événement est aujourd'hui. J'espère que je vous publierai la vidéo assez vite, que j'aurai pas de problème pour la sortir, sinon vous l'aurez un peu en retard. Donc grosso modo, le but c'est de faire des points. Et on fait des points pendant l'invasion nomade, l'invasion des samouraïs, la guerre des royaumes et les corbeaux de sang. Voilà, il y a un classement. On obtient des titres. Il y a des récompenses qu'on obtient à la fin et des récompenses qu'on obtient au début. Donc si jamais je monte au titre cogneur, je vais obtenir des trucs. Et en récompense de fin d'événement, j'aurai plus de trucs, je crois. 32, 33, ouais c'est ça. Donc le but ça va être de monter au titre le plus haut possible. On peut pas descendre de titre. Actuellement j'ai l'impression d'avoir monté la moitié du titre cogneur, ce qui est pas mal. Sachant que j'ai juste fait une grosse attaque. Voilà, donc le but ça va être de monter le plus haut possible. On peut avoir des trucs cool, jetons d'amélioration et jetons de construction. J'ai pas encore construit ma serre et j'ai pas encore amélioré de caserne. J'ai hâte de pouvoir le faire, ne serait-ce que pour les pourcents de vitesse de recrutement sur la caserne. Et puis la serre, ça rapporte de la nourriture en plus. Même si je dois être relativement bon en termes de production de nourriture. J'ai 7000 sur ce château. Je crois que j'ai beaucoup... Ça c'est mon meilleur château parce que j'ai tous les villages. J'ai pas les villages privés mais ça va venir tout doucement. Ouais, je produis 17 000 sur ce château. Bon voilà, il y a Berrymont qui arrive en même temps. Donc comme j'avais plus de points du tout à Berrymont, j'essaye d'en refaire un maximum. Hop, hop. Donc j'envoie n'importe quelle troupe. Il y a la côte tranchante, mais la côte tranchante je trouve que c'est un événement qui n'en vaut absolument pas la peine. On va jeter un coup d'œil à mon gros RC, rapport de combat. J'ai perdu 6000 hommes. J'ai un pourcentage de gloire nul, donc j'ai tout fait avec des drapeaux là. 151, 200. Comment 151 ? C'est possible ça ? Je dois avoir plus de drapeaux sur les murs. Enfin, la possibilité de mettre plus de drapeaux. J'ai gagné un truc, j'ai des corbeaux de sang. Ouais, bon, j'ai envoyé des horreurs, alors ça fait moins de pertes, forcément. Ah, si, je pensais pas qu'ils étaient si nombreux. En plus, c'était des troupes d'élite. Bon. Je sais pas à combien je vais monter sur les corbeaux de sang à l'événement actuel. Peut-être suffisamment haut pour monter d'un titre, ce serait cool. Je sais pas si jamais je fais que 2000 de gloire, ça monte quand même le titre ou pas. Pour l'instant, je suis top 50, mais ça va probablement pas durer. Je sais plus combien il faut pour faire top 50. En vrai, je dois avoir les drapeaux, mais j'ai un peu la flemme de faire top 50 perso, sachant que mon alliance fait top 50 seulement. Je trouve que c'est un peu du gâchis, mais... Je pourrais monter jusqu'à l'avant-poste Fauconnier. Sans souci, normalement. Il y a de la poudre poussière de décoration. Est-ce que j'ai amélioré ma forge de fusion? Non, je crois pas. Forge de fusion améliorée. Parce que je peux pas fusionner de grosses déco tant que j'ai pas beaucoup de poudre. Et en plus ça fait du bonus d'XP, plus de recherche, mais j'ai surtout besoin de capacité en fait. Parce que si je prends une grosse déco par exemple, un catalyseur niveau 10, disons qu'on sacrifie ça par exemple. Ah non, je vais pas acheter. J'en ai une. Voilà, il faudrait 3400 et j'ai 3000 en maximum. Donc, il faut que je le monte encore 4 fois. Ça va me coûter probablement 80, 90, 100 et 110. Ça va faire beaucoup. Il y a encore l'architecte. Ouais. J'ai pas envie qu'il parte tout de suite. Il n'y a plus de jetons de village. Donc, j'en achèterai la prochaine fois. Je pourrais acheter des étendards à queue de cheval. Mais ça rapporte plus de points. Ils ont rajouté cette déco dans la boutique. Peut-être que je l'achèterai. Voilà. Bon, j'ai plus suffisamment de pièces pour passer chez le Technicus.
Donc on fera ça une autre fois. Et c'est quoi le concours de noblesse? Un point de gloire. Très bien, bah, je suis bien au-dessus. Wouh! Eh ben, l'image est pas du tout bien. Grand sac de matériaux, outils agricoles. Censé être l'icône du sac. C'est beaucoup trop grand. Contenu disponible, on voit rien. Ok. Bon, ils ont encore des petits bugs. Bon, ça m'arrangerait d'être dans le top 100, mais je sais pas si je pourrais y rester. On verra. Il y en a qui sont déjà à 2 millions. Pff. Oh là 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 là. Genre, ils ont lancé deux grosses attaques. Non, même plus, j'imagine. Pour l'instant, j'ai presque plus de points d'honneur. Alors, il faudrait absolument que je les remonte. Mais avant, il faut que je remonte mes défenses. Enfin. J'ai plein de trucs à faire. Voilà. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur cette ligue. J'espère que je vais être premier. Si je suis premier de mon classement plein de fois, j'aurai des médailles d'or. Et avec beaucoup de médailles d'or, médailles actuelles. Je sais pas ce que j'aurai. Si j'ai que des médailles d'or, en théorie, j'ai le premier, me semble-t-il. Avec plein de jetons d'amélioration et plein de jetons de construction. Plus des très... Combien? 6! Catalyseur niveau 12. Et une déco à 900. C'est juste délirant, la déco à 900, hein. Rien que si jamais j'ai celle-là, par exemple, 500. C'est déjà énorme. Et rien qu'avoir participé, ça vous rapporte la déco à 3370, 75 plutôt. Ou 375, si vous préférez. Donc, je vous conseille fortement de... En fait, il suffit de jouer, donc de jouer pendant les 42 jours de l'événement. Et puis voilà. J'imagine que sur ordinateur, ils auront une mise à jour similaire s'ils ne l'ont pas déjà eu. Marchand d'équipement. Oh, ils vendent des gemmes. Non, c'est du niveau 9, ça, c'est nul. 9, 9, 9. Ils ont changé l'interface. On peut acheter Kala en ce moment pour pas trop cher. Et d'autres trucs. Le roi de Midas. Ressources pillées contre les PNJ. Bof. Et oui, et j'allais oublier, j'ai même pas regardé, j'attendais avec vous. Il y a un festival du printemps. Donc là en ce moment je suis top 100. Très bien. Il ressemble à quoi ce commandant? Chevalier du Phénix. Court, flanc. Qu'est-ce qu'on a comme bonus? Point de vaillance, plus 1%. Tablette du camp lors d'attaque contre des camps du camp. J'en ai pas des comme ça. Et j'ai cru voir. Point de gloire contre les corbeaux de sang et étrangers. 50%. Oui. Il m'a l'air bien, lui. Je le voudrais. Je sais pas s'il est aussi bien niveau mur. Faudrait que je regarde. Je pense que je vais essayer de monter suffisamment. Là, je suis premier. Et il y a un classement global? Pourquoi ils ont rajouté une interface ligue? Voilà, on est top 100. J'espère qu'on va rester top 100 et top 50. Comme ça, j'aurai un objet de déco au niveau 9. En ce moment, mes pires objets de déco, ils sont au niveau 8, pour vous... ils sont au niveau 7, pour vous dire. Ah ouais, il faudrait aussi que je fasse l'équipement du corbeau de sang. Mêlée, mur, vitesse de déplacement. C'est pas mal. Lui, il fait maximum d'unités sur les flancs à Bérimont. Protection de la porte, protection du mur, force contre les unités à Bérimont, point de vaillance à Bérimont, force de combat lors d'attaque contre les cours et les camps et les tours de Bérimont, plus 100%. C'est un commandant exprès pour Bérimont. Faudrait que je le fasse un jour. Mais le problème, c'est qu'il faut monter à 7500, je ne sais combien de fois. Il y a 9 trucs, on en obtient 1 à 7500. Un à 2000 machin. Et un à 500, j'espère. Non, donc grosso modo, faut que je le fasse. Ah non, si. J'en ai déjà eu un. Je pense que les gemmes, on les obtient bas. Généralement, c'est le commandant qu'on obtient en tout dernier. Mais là, j'ai pas l'impression que ce soit le commandant. Non, c'est le chapeau. Casque. Bon, faudrait que je monte à 7500 au moins une fois, ça c'est sûr. Plus à 3000. Non, c'est des millions d'ailleurs, c'est pas des. Faudrait que je monte à 3 millions et à 7 500.
Non, c'est 2 millions, 2 millions 100, c'est beaucoup plus facile du coup. 2 millions 100, je peux faire ça plein de fois sans dépenser trop de drapeaux. Bon. On verra bien. J'aimerais avoir un super commandant exprès pour Bérimont, et il a l'air d'être un super commandant exprès pour Bérimont, donc ça m'intéresse. Et puis, en montant suffisamment haut, on peut obtenir des cryptes de corbeaux, qui sont des bonnes décos. Je commence à virer les décos à 205 maintenant. Je crois que j'en ai plus dans ce château. Ou alors j'en ai une. Là, ouais, gagné. Là, j'ai l'impression qu'il y a une zone vide. C'est juste, non, c'est juste la déco. Bon, c'est là, il y a une zone vide, mais je peux pas faire mieux. Je peux avancer ça, mais ça changera pas grand-chose. Et là, on a une autre zone vide. Bon. Mais je peux pas vraiment faire beaucoup mieux. On va faire quelques engins. J'en ai plein dans mon château. C'est cool. Ah, il y avait l'architecte. Il fallait plutôt que je construise des trucs, moi. Pour ça, il me faudrait des ressources. Objet trouvé, c'est quoi ça? Un nouveau truc que je connais pas trop. Petit coucou rapide de la meute. Alors, faudrait que je fasse, si j'ai des silex, des trucs comme ça. Production par heure plus 200 parce qu'il m'en manque encore. Nourriture par heure. J'en ai pas? Ah, j'en ai des niveau 4, niveau 3. Parce qu'avant, le niveau 3, ça coûte pas de silex. Faudrait que je me débrouille pour avoir que des outils comme ça et des trucs niveau 7 et 8. J'ai déjà des trucs niveau 7 partout minimum. Faudrait que j'aie des trucs niveau 8. L'idéal, ce serait des niveaux 14. Mais c'est juste trop bien les niveaux 14. Plus 99 ils font et on peut les acheter chez les métamorphes. Donc si vous en avez pas, prenez-les. Je crois que ça m'a fait gagner 1000 de nourriture en plus lorsque je l'ai mis au feu. Comme j'ai plein de villages. Ah, je vais être en manque de pierres d'âme aussi. Ah bah, un niveau 10 de plus, on va les placer. Alors, toi, t'as pas de niveau 10. T'as un niveau 9. Bah, on va le déplacer. Et on va en mettre un niveau 10. Je crois qu'en dessous de 17%, ça vaut la peine. 10, 13, 75, ça vaut probablement pas la peine. 23, il en a déjà un. 31, 17. Bon. Très bien. Passons à un petit hameau. Hop, hop, hop. Alors lui, ce serait plutôt ceux-là, les plaies faibles. Ah bah lui, il n'en a pas. Mince. Je croyais qu'ils en avaient tous. 17, je sais pas ce que je lui mets. 100, 42, 23, 13. Bon, 17, on va lui mettre un comme ça. Il doit m'en rester un à placer. Alors, 42, 31, 10, 23. Non, 23 c'est trop. Il est où le plus faible? Il est là. C'est encore du 17. Je sais pas si c'est top de mettre sur les 17. Il me manque peut-être deux granges. Ou une grange sur ce château. Je pense que ça vaut la peine de descendre à 7%. Avec les engins plus 200. Après. 7%. Hop, je récupère l'engin. Ça vaut la peine rien que pour le casser et obtenir du silex à la place. Je peux monter des trucs? Non. Tant pis. J'ai plus de flammes ici. C'est cool. J'ai un sacré outil sur mon truc militaire. Capacité de l'hôpital importante. Et puis il est joli. Puis il est niveau 8, c'est cool. Toi, tu dois pouvoir faire des engins. Bon, allez, je pense que ça vous passionne pas énormément de me voir jouer. Donc, on va se quitter.